Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Molin et on se retrouve pour la suite de notre super let's play sur Honkai Star Rail. J'espère que ça va bien, vous, de votre côté. Ouais, ça va, c'est petit à petit. Les vidéos sortent de temps à autre, ça se fait bien. Et là, on va aller tester un nouveau personnage. Point de charge, d'accord. Attends, il y a ma manette comme d'hab qui déconne. Et on peut pas décaler le truc. Ok. Donc on incarne Fei Xiao. Hein. Et donc on va jouer un peu avec elle. Vas-y. Les GT élevés et plus les GT sont élevés, d'accord, ça marche. Allez, vas-y, on teste un peu ce nouveau personnage, comment on va le faire. Bon, après, on l'aura pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai quand même une équipe qui me plaît bien. À l'heure actuelle. Donc, je veux pas trop faire mon chiant. Ah ouais, je vais faire 3 vidéos aujourd'hui là. Et vu que le temps est passé vite, non, il n'y en aura qu'une vidéo. Eh ben, c'est déjà gagné. J'ai la tire d'ennemi, puis les tests sont élevés. Ah, vas-y. Elle joue classe, hein. Attends. Non, on va plutôt faire ça. Ouais. Vas-y. Ouais, je vais me demander ce qu'il faisait là. Allez, s'il vous plaît. Oh, ouais. C'est qui s'amuse mon boulot d'eau là. Ah putain, on va se marrer, elle va essayer de le buter. C'est le but. 宣降不坠，万载长盛。大捷一定。 Eh ben, il est parti vite les... Oh putain, le critique ultime. Ah putain, on va faire un ennemi. Je ne sais pas si on était à la fin. 接受星星的祝福吧。比划比划，给你5秒。你给什么？你想擦笨不呀？不行。哦，我听不懂啊。看我的结账。就这点水平，从你开始吧。 哎呀，我将寻征追猎，宣降不坠，
Ah putain, il lui reste encore un peu de vie. Nickel. C'était facile. Bon, souris par espace. Vas-y. J'ai pas encore assez. Bon, continuons la quête principale. Hein. Ouais, parce que là, on a pas mal fait trop secondaire là. On va essayer de pas se perdre comme dans la précédente vidéo où on avait eu des bugs. Ok. Ah là-bas il y a un coffre. Je l'ai pas ouvert. Attends, on peut partir par là. Pleine de neige enneigée. J'ai inventé de la gueule de la chagrin et celle d'ici un fait très qui finit leur secret, d'accord. On va pas par là, c'est ça. Ouais. On va devoir s'effriter à un moment donné, c'est ça la garde des neiges. Ok. Ils ont tous envie de dormir. On va se reposer dans un super hôtel 3 étoiles, 5 étoiles même. Waouh! Wow, 好明亮的大堂! 今晚有软和的床垫和弹弹的枕头啦! Ah oui! C'est vrai, j'oublie. Toujours. Eh! 晚上要不要打枕头大战? 要不要? 我觉得这酒店的枕头一定是鹅毛绒的! 三月, 当时在克里波堡, 停！我知道你要说啥，三月啊，你当时的话太多了。三月啊，你不该跟不信任的人透露我们的目的。我知道了，谁叫你们两个绕着圈打金风，不好好说话。但是你看呀，现在结果不是很好吗？我们得到了贵宾待遇，超豪华的酒店，还有当地势力的全力支持。看来这次的开拓任务也很顺利。 我想说的其实不是这个。好吧，那你说。当时在克里伯堡，你注意过那位大守护者吗？那当然了，跟你们冒险这么久，我的观察力被打磨的，嘿，那可不是一般的灵力。哎，是吧？是，这怎么？有什么？我知道有什么不对。 哪里不对劲？挺正常的一位女士哦，一开始有点难说话，讲完道理后还挺温柔的。只是觉得她的眼神有种穿透力，就是虽然她在和我们说话，但眼睛却好像在盯着远处的某样东西。嗯，我也有类似的感觉，就像那个房间里不只有我们几个一样。 被你这么一说，感觉有点吓人。这个太阳是不是这么 visible？ 是不是这么 visible？ Évidemment, 我可能看到唐古大堂的眼睛啦。可能是我太敏感了。他承诺要帮助我们，希望他不会食言。早点休息吧，为明天的谈判养足精神。 Ouais. Allez, vas-y. Le vieux Goethe. Goethe. Ah, c'est Goethe. Putain, il a changé. Hein. Le Goethe, t'écris plus? Le chat,
Le thé, évidemment, on va choisir le thé. Je suis qu'à la place. Je connais cette adresse, tout le monde a l'exaspérateur. Faites comme chez vous, vous êtes libre de visiter les lieux tant que vous ne perturbez pas les autres clients, bien sûr. Si j'ai grandi, je ne dirais pas que je connais le district amératif dans les mains de l'Ogre, mais son histoire n'est pas étrangère. Je suis également au courant de ce qui s'y passe. Si je peux vous aider, faites-le-moi savoir. Je vais aller répondre aux questions des clients et les moindres des choses. À propos du vieux Goethe et de l'hôtel et tout Goethe. C'est ça qui vous intéresse. Goethe est mon nom de famille et l'hôtel Goethe est une entreprise familiale. Ça remonte à longtemps. La famille Goethe vient d'Allemagne. Elle a fait fortune en investissement. Il est bien allemand, Goethe. Judicieusement, dans divers secteurs, hélas, la conjoncture nous a lentement ruinés, frustrés. Mes ancêtres ont vendu toute leur part. Heureusement, un autre sein de la famille est parti sans un sou et a réussi à avancer à l'entreprise sur l'Est. C'est comme ça que Goethe a ouvert les portes sur le monde. Je ne sais pas si vous entendez par qui en sait, nous avons accueilli bien des visiteurs, les histoires sont nombreuses. Comme cette femme, issue d'une famille qui s'est enfuie de son mariage, on s'entend par la fenêtre de l'étage en pyjama, on n'en a plus entendu parler d'elle. Il y a ce couple, les célébrités du théâtre, semblent s'aimer profondément, mais occupés des chambres séparées quand ils sont venus ici pour la lune de miel. Il y a aussi cette femme qui quittait pas son bureau quand ses proches étaient au travail, elle dessinait et pleurait chaque fois qu'elle terminait une œuvre, je me demande ce qu'elle a traversé. Cela arrive souvent dans notre manche, avec le temps, on compte plus d'événements insolites qui se sont produits. Suggestion sur la boisson de vie locale. Si on veut inventer, notre thé est un incontournable de Beelobog. Ce monsieur a proposé certains desserts que vous trouverez nulle part ailleurs dans le district administratif. Nous recevons beaucoup de jeunes gens pendant les vacances, il faut parfois faire la queue. Des suggestions touristiques. Je vous recommande le district ouest, c'est pour son atmosphère artistique. On y trouve le théâtre d'or, vous y verrez toutes sortes de célébrités de marchandises. Mais attention, n'y allez pas le jour de la première, les spectacles comme tout le manteau et rose de poussière d'étoiles rendront l'endroit impraticable. Mieux vaut y aller en voiture, si vous n'en avez pas, l'avenue Alisa se trouve juste devant l'hôtel, prenez le tramway et suivez la rue. Ah, c'est vous, vous ne buvez pas pour plus de l'heure. J'aimerais goûter votre thé de l'après-midi. C'est vous, sur un canapé du hall, je vais vous la faire apporter. Je suis assez de plus venir dans la discussion. De quoi voulez-vous discuter? Je vais marcher un peu, n'hésitez pas. Merci. Ah, on n'a même pas le droit au thé, hein. Regina. Non, Régine. Régine, je sais pas comment on le prononce. L'univers, le temps, l'espace, le passé, le présent, je tiens à quelque chose. Je doute que tu découvres quelque chose comme ça. Silence. La science nécessite un peu de solitude. C'est la première fois que je suis cette part de recherche. Les gens comme toi ne comprennent rien. La science, c'est un sujet délicat, rien à voir avec les soucis quotidiens qui ne nécessitent qu'un ou deux neurones. Oh, je t'ai cassé, là. Si vous voulez aider la nature de mettre avant un coup d'œil, autant démissionner, te laisser faire. L'argument n'est pas valable. Me dit quelqu'un qui ignore tout de ce que je fais, la science est morte. N'aie pas de temps à perdre, moi ce que tu veux, c'est pas temporel. Si je peux te permettre, j'aimerais savoir quel sujet de tes recherches. Sauf aussi quelques balles. Sais-tu, la lumière est faite de particules? Ah bon? Et non, bonne chose à la fois. Pas de principe, mon personnage est complètement teubé. Ah, la dualité, on se voit de l'idée, c'est que les particules transportent de l'information, tu me suis. Vraiment? C'est pourquoi mon tirage. La particule de lumière transforme l'information, si j'y suis exposé, c'est aussi cette information modulaire. Ok, gratuitement. Vraiment interconnectionné, bah. Et aujourd'hui, j'invente un moyen d'envoyer des messages avec mon double dans un autre univers, sache l'interpréter, alors d'après ma théorie. On peut interpréter un message dans notre univers. Oui, oui. Moi, j'ai simplifié les termes pour profane. Le mécanisme sous-jacent est bien plus complexe. Tout est venu cette idée. Tu rappelles ma théorie, il s'appelle le tunnel temporel du grand univers. Oui, le grand univers, c'est l'œuvre de ma vie, mon enfant. Tout commençait il y a 2 ans, lorsque cette merveilleuse idée a traversé l'esprit, alors je mangeais un morceau. J'ai tout de suite su que je tenais la plus grande découverte de notre époque.
monde entier admirera mon tunnel temporel une fois qu'il sera terminé. Tu es vraiment un scientifique? Bien sûr que oui, c'est quoi cette question? Vous avez oublié un carré gris, jaloux de l'académie de Wog, refuse de reconnaître mon talent, c'est juste de valeur. Mes découvertes révolutionnaires les feraient passer pour des incapables. La géomoelle remonte toujours à la surface, n'est qu'une question de temps avant qu'un scientifique talentueux comme moi reçoive un financement digne de ce nom. Et à ce qu'un mécène ne s'est encore manifesté, j'ai du mal à croire que mon talent puisse passer inaperçu. Je n'ai suivi aucune formation universitaire. Ta question prouve à quel point tu ignores tout du milieu scientifique contemporain. Que peut-on que tu espères d'une bande d'intellos pour ceux qui se battent au bec et ongles pour l'argent et le pouvoir? Donc un autodidacte. Tu as du mal à croire, hein. Un jour, le monde s'inclinera devant mon incroyable tunnel temporel du grand univers. Ce jour-là, tu comprendras. Le nom d'origine, Regin, entrera dans les circonstances du plus grand scientifique civil de tous les temps. Bon, on en reste là. Allez, vas-y. Il est tard, je vous demande la note. Allez, fais moitié-moitié. Reste avec tout dans mon téléphone, vous aussi, attendez cette fois-ci avec ma coffre. Tu vas dans la main de faire la vaisselle. Bonjour aussi. Tu as lu le quotidien de Christophe aujourd'hui, je n'arrive pas à croire ce qu'ils ont écrit, si les médias continuent comme ça, ben ouais, mais on n'a pas le monde à venir. Pourquoi tu me racontes tout ça? Ok, tu n'auras pas encore vu au même endroit, cette tendance s'appelle Bloc. Comment peux-tu te considérer comme une citoyenne Bloc si tu veux faire des nouvelles de notre ville? À la une du quotidien de Christelle, il n'y a que des idioties dans ce journal. Il y a un tabloïd qui s'est repassé à la tête normale, des choses comme ça, je vais devenir fou. À tes côtés, ça fait du monde. Je peux activer du jour à suivre l'actualité, toi. Ceux qui ont mis en ambition devraient prêter attention au monde qui les entoure et réfléchir davantage un peu comme moi, si tout le monde pourrait continuer au développement de Bella au Bug. Là, tu m'as l'air perdu si je te donne un accord tout de suite. C'est toute mon attention. Laisse-moi te montrer comment on lit ce journal. Tu es parti en croisade toute la société, c'est ça? Mon angoisse, c'est tout à fait légitime. Bref, continuons à lire les nouvelles. Regardez-moi, à la troisième page, encore pas mes yeux. Le système de chauffage de l'anneau extérieur de BRN ne fonctionne toujours pas, nous recherchons des réparateurs de toute urgence. Donc, pas froid aux yeux de dire des choses comme ça. Le système de chauffage du surmonde a toujours été une source de problème. C'est simple et toujours en panne. Les réparations d'urgence ne sont que des solutions temporaires. On peut servir au projet à l'éternel, mais toutes les petites tâches ne vont pas résoudre le véritable problème. Tous ces efforts en vaut-il vraiment la peine? Vraiment, on peut pas faire confiance à la société de chauffage de Bug. La gardienne suprême devrait s'en méfier et refaire tout le système autorisé au trait de la ville. Si les gens de la société de chauffage de Bug sont pas capables de résoudre un petit problème comme celui-là, Archimedes va en charger. Tout payer de la poche, la relation toute la théorie. Ton chantage moral ne prend pas sur moi, je connais cette astuce et je tomberai pas dans le panneau. Sur ta logique, j'avoue être un grand amateur de les meumeux. Je dois produire mon lait, c'est ça, oui, en fait. Ah putain. Attends. Il faut que je le mette. Hein. Attendez deux secondes, il faut que je le note ça. Du bon les meumeux. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Que dit le journal? Et que c'était fait aujourd'hui, ministre de la Culture et de l'Éducation, monsieur Bova, a assisté à... Attends, voyons, Bova et mon père. Passons à l'article suivant. Chef de file de Himmelstein, porte... Partage la culture d'entreprise de la famille qui cultive un esprit de prédateur pour s'assembler, rassembler et transcender les limites. Et surtout ça, ça veut dire que par un esprit de prédateur déjà, essaie-t-il de pousser les jeunes interviews jusqu'à creuser leur propre tombe. Ce Limestein veut juste exploiter les efforts des autres pour que sa famille et puis lui puissent continuer à jouir de leur vie extravagante. Tout n'est que tromperie. En jugé par la tenue de ta parole, tu viens d'une riche famille et tu n'as aucune idée des difficultés auxquelles sont confrontés les gens normaux. N'importe les gens comme toi ne comprendront jamais de toute façon.
Qu'est-ce que tu pensais que je suis issu d'une riche famille? Moi, je me. Ça fait mal que tu devrais apprendre à développer de l'empathie. Je suis capable de percevoir le monde. Ils me donnent tous des leçons de vie, là. Si tu veux mon avis, tu t'ennuies rien de plus. Je suis mes problèmes, d'accord? Peu importe, ça sert à rien que je t'explique la légende de ton âge, ça peut réfléchir par un moment. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu as du temps à perdre, pourquoi ne pas travailler le système chauffage bureau et alors endetter le plan société pour gaspiller les meilleures années ici? Et c'est qui te casse tous les couilles? On va se reposer, hein. Avant que j'en ai tripé un. S'ils se croient tous supérieurs, hein. Bon, récupérer. Allez, vas-y. 还有没做完的事吗? 明天白天就要和守护者会面，没时间逛街了。 C'est fini pour aujourd'hui, faut se reposer. 这一天可真漫长呀，咱要好好洗个热水澡，再美美的睡一觉。 Non, mais j'ai mauvais pressentiment. Quelqu'un n'avait pas parlé d'une bataille d'oreiller? Aïe! Il y a une bataille d'oreiller! Tu vas te coucher, tu vas te coucher. Tu vas te coucher, tu vas te coucher. Tu vas te coucher, tu vas te coucher. Non, mais je voulais la bataille d'oreiller. C'est triste. Moi, je vais pas vous lire les documents, je lis déjà assez de trucs. Hein. Inspecteur. Regarde ce qui trouve en face de moi, c'est une armoire. Il s'agit d'un tourment, ce sont des honneurs, parfait design, capacité de toucher, parfum, et que ce soit là-dessous laquelle vous voulez la regarder, vous pouvez imaginer une armoire plus parfaite. Telle minute sur laquelle le parfum et une mesure de qualité d'une armoire. La porte, ça sent bon et c'est pas l'odeur typique du bois de santal et d'un autre matériau naturel. C'est plutôt une odeur miraculeusement rafraîchissante et complètement artificielle. Une merveille de la générie chimique si attirante que votre seul souhait à présent est d'entrer dans l'armoire et de vous baigner à ce parfum. Genre d'armoire, voilà, vous vous apprêtez à entrer. Et gauche, pied droit, demi tout, vous prenez une large inspiration. Voilà pourquoi une large inspiration vous vous détenez, vous permet de contenir éternellement, tenez-moi et ensuite fermez la porte dans ce mouvement souple, bandeau. Situation, vous voyez la parfaite armoire de l'univers, ne faites plus qu'après, présent plus qu'un. Mais franchement, votre humeur est loin d'atteindre l'éclat d'excitation. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour comprendre les subtiles merveilles de tout cela. Cet endroit a l'air un peu trop simple pour vous, mais vous finirez peut-être par vous habituer. Et lui m'a accordé les yeux de l'obscurité. Ah, voilà la bonne attitude. Être patient, s'adapter à un univers obscur. Faites-vous confiance, attendez encore un peu, il va peut-être y avoir autre chose que cette obscurité à couper au couteau, j'ai les garanties. Attendez, on va dans ça, ça se rapproche. Clic, clic. Un véritable adversaire. C'est bien ça, il suffit d'y penser maintenant, essayez de deviner qui sont ces traces de peur. Service de chambre, le démon de l'hôtel Goethe. Oui, oui, vous comprenez en fait. Le démon d'Hôtel Goethe, il hiberne dans les petits greniers extérieurs, c'est nommé spécifiquement de. Ah putain. Non, il faut que je mette. Le démon de l'Hôtel Goethe. Comment ça s'est écrit Goethe déjà? G-O-T-H-E. Attendez, j'ai pas mis un espace. Bah, c'est nickel. Désolé. Il a choisi mon adversaire cette fois-ci. Perdu, vous êtes la première légende célèbre, la divine gardienne de la station spatiale Erta, c'est qui joue pas à battre du déménagement aujourd'hui sur un bonjour pour que j'aie le mal. Ça ne veut pas faire si noir que ça n'a. Ah, bon, la lumière du courage illumine l'espace. Wow.
Service de chambre, il y a quelqu'un? Ah, c'était donc ça, tous les démons de l'hôtel se faire passer pour service de chambre, quel cliché. Vous n'allez pas vous avoir si facilement, votre esprit est plus fort que les murs de la ville construite pour la clipote, vous êtes pote. Ah, ok, j'entends maintenant. Maintenant, n'est pas vrai. Meurs, démon de l'hôtel. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vaincu le démon de l'hôtel Gut est maintenant banni et cette terre a été purifiée. Le démon semble avoir laissé quelque chose derrière lui, prenez-le pour la compense de votre témérité. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de mec? Voilà! On a exorcisé un hôtel! Et qu'est-ce qui se passe dans ce truc en vidéo, hein, dans cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe, un truc? Encore le démon de l'hôtel Gut! C'est谁? Oh, 不对, 你是什么? Sur le ménage à l'extérieur de l'hôtel. Lui de l'hiver éternel. Tu t'es entendu? Le dé à mon corps, il y a eu un peu de temps. Mais il y a eu un peu de temps. Si tu es là, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Je me dis toujours le pire que je veux, c'est sur mon orchestre. Ça, c'est que c'est un peu de temps. 先去会一会他们吧，在这里瞎猜也无济于事。 Ils vont nous attaquer, on va devoir riposter. Moi, je vous le dis. 你们 ，Bronia 统领在下面等着你们，快去见他，别想耍花招。咱们不会摊上什么大事了吧 ？OK, on va rencontrer cette commandante. Bonjour madame. Eh, vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Je suis Bronia Lande, Daixin Yingzong Tiewei Tongli. Avec un grand et grand Hupo Wang, je suis le grand protecteur de Kekeliya Lande, je suis venu à Jona, le grand protecteur de Shentou. Je suis le grand protecteur de Daily, je suis le grand protecteur de l'action et de la parole. Quand le tribunal vous a fait une décision, vous allez avoir une opportunité de réfléchir. 放弃无谓的抵抗，跟我走吧。啊，等一下，这跟书好的可不一样啊！他明明说要邀请我们一起商议钥匙。这是计划好的背叛，毫无疑问。啊，又要沦为阶下囚了。我发现每三个世界，这种情况就要来上一次。那是因为你总是头脑一热就行动，完全没有计划。 我也不知道到哪了，现在我就在想计划。哎，有了！你们看那边的巷道，那里因为裂界的侵蚀而被封锁。嗯，我知道了，这的确是个可行的计划。做好逃跑的准备。哎，真的可以吗？我随便说说的。关于法三。 这是列车团的老暗号了，数到一的时候，你就跟我们一起跑。俊命无二。喂，嘀咕什么呢？快跟我们走。平常记忆。哎呀！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 哎
居然自己冲进了猎界，也不知道是过度自信还是自取灭亡。看来母亲的判断是正确的。要回报他们已经失踪或死亡吗？嗯，不行，大守护者的命令是捉拿犯人，不能因为他们逃进封锁区就拒绝追击。不管是死是活，我都得亲见为证。是，我现在还能做到的事，就是斩除威胁贝勒伯格的恶徒。Mon Dieu, on va les avoir sur notre dos. Et on va se fêter des ennemis, ça va être marrant. Tcha, ils ont 果然没跟进来，自由了。活该，想逮住我们还早了几百年呢。Excellent. 功劳是大家的。银宗铁卫只是被我们打了个出其不意，用不了多久，他们一定会追进来的。沿着道路移动吧，先确保安全，再做下一步计划。Je suis niveau 13, pionnier en force spatiale. On peut aller au district. 这里会有我感兴趣的东西吗？我不信。Call the backpack.Et la carte, elle est comment ici? D'accord. Donc on va tout fouiller. Comme vous voyez, pas de l'épage. 到底发生了什么事？为什么那个大守护者突然派人来抓我们呢？在人家睡得正香的时候搞突然袭击，也太卑鄙了吧！那个女人身上有种令人不安的气息。直觉果然不会撒谎。升个配置。哈。Allez, faiblesse, on va attaquer l'oiseau de glace là, le truc qui volait là. 别怕呀，接受星星的祝福吧，转圈圈。星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧。Nickel. 我的时间都浪费了。Bonjour, les filles. Les tranches piston et tout, vraiment glacé. Et on va faire les défis.Attaché à l'abondance, ça va l'érudition, l'harmonie. On peut utiliser les personnages de nos amis, ça c'est pas mal, hein.会是谁呢？尖叫呢？反抗、摇摆、沉沦。嘿嘿，星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧。我看到在这不是说你有心意。哎呀，转圈圈，睡吧。上我，会是谁呢？咯哒哒，尖叫呢？哎呀，这么大的钻石，送给你，转圈圈。哎呀，哎呦，c'est un très très beau combat qu'on assiste là。咯哒哒，造起来。4 sur 10，哎呀。反抗，摇摆。沉沦，转圈圈，
拜托卷毛赐予你真正的祝福吧。我都过世了。吃药了。下班了，先回家去。一点心意而已，不必在意。哎呀，抱起来！现在瞬间可以做。哎呀，我想先做个人饭。睡吧。我是来说你啊，东。嘿嘿。咯咯咯。这么大的钻石，送给你。我是特别轻松，我现在会是谁呢？跟上我。反抗，摇摆，沉沦，转圈圈，好疼！这梦让我哪有幸福的？有啊，别梦了。嘿嘿，星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧！造起来！那个沙特人不是沙特，天是橄榄，那边的沙特，那边是我沙特，沙特是我，我们那是沙特。On a réussi. On quitte. Ouais, on a fait les 6. Voilà. Bonjour de terre. Ok. Attends. Non, il n'y a pas de touche saut, c'est vrai.Okay. Hey. Hey, Phyllis. 不会是谁呢？哈哈，哎呀，嘎嘎嘎！怎么喜欢也皮啊？喜欢来个伤害你哥吗？我的时间都浪费了。啊？行吧。Terminer le contrôle.C'est nickel. Le niveau il a pas l'air d'être trop long. On va se fêter un boss. Allez, vas-y. Un point de téléportation. J'aime bien faire ça, je vois.Il me plaît pas mal. Ce qu'il faudrait que je vous le fasse, c'est Beyond Good Animal 20e anniversaire. Il faudrait que je le fasse. Un effet de guérison. On va mieux. Ici, il faudra qu'on aille là. Il faudra qu'on fasse ici. Il y aura encore un téléporteur.Et notre but c'est d'aller là et peut-être de continuer par là. Ce 道门好像没法直接打开啊。哎，你们看这个机关的构造，是不是有点眼熟？的确，在西鲁瓦的机械屋那儿见过。得抓紧时间破解，追兵就在我们身后。Ah oui, c'est de l'énigme. Attends, je vais voir là-bas. Attends, il y a des gens qui sont en train de se faire. Attention, ne pas les faire. Les 8 ans sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ne pas les faire. Ne pas les faire. Ne pas les faireQu'est-ce que vous racontez ? 等一下，里面有银宗铁。八成是从其不要正面跟他们冲突。On peut vraiment pas. Putain. Moi, je veux me les faire. J'ai pas peur, hein. 就这。Tu prends une tapette. 会是谁呢？嘎嘎。星星啊。向开拓者们赐予你真正的祝福吧！造起来！哎呀！
Il récupère, ok. Cette lettre d'un ami. Attends, bon, on va par là. Et je sais, parce qu'il faut pas buter, parce que tout n'a plus de sens. Donc si on les atomise en gueule, ça va pas bien se passer. On pourrait faire comme dans tout plein de jeux, c'est-à-dire les assommer juste. Parce qu'il y a plein de jeux qui font ça, où en fait tu tues pas, comme dans certains Final Fantasy. Hein. Le 7 Rebirth, c'est un cas hein, où les mecs ils s'en sortent à chaque fois. C'est un nouvel redondant. Ah, il y a un monstre qui est en train de se battre. Je dois le résoudre. Utiliser les consommables, le fait d'expression, les gantelets permet d'augmenter la taille de tous les personnages. C'est gantelets pour confirmer. Si tu veux, afficher les détails. Gantelets pour les consommables, ok. Ça marche, si tu voulais. Attends. Bien, je l'ai fait, elle. Bon, il continue à me l'afficher alors que je l'ai fait. On va se friter le monstre. Je crois qu'après il y aura le boss. Là c'est un monstre optionnel pour un coffre. Même qui garde les coffres comme ce qu'on avait eu quand on était dans la station spatiale. Vous rappelez. Mais ce qui est chaud, c'est qu'il augmente ses attaques. Je suis
石送给你。哦，putain，le combat de fou là。Eh ben, dis donc que ça rigolait pas. J'ai cru que j'allais perdre. Hein. Bon, avant de se fêter l'autre monstre, on va réanimer notre équipe. Ouais. Et t'es au point de sauvegarde Nickel. D'accord, connexion de flux magnétique. Il faut que je ramasse ça. Eh ben c'est que c'est chaud ce niveau. Il a fallu peu, putain, il restait plus que deux meufs dans ma soigneuse. Et pourtant elle faisait pas de la merde. Hein. Je sens qu'il y en aura dans le futur où il faudra que je revienne ultérieurement pour me les fêter. Suivez les instructions sur le panneau et confirmez la route d'exploration de tout le monde. On va voir le panneau de contrôle inspecté. Tu peux voir, on peut te cacher les éléments secs. On va le suivre. Je sais pas où il va nous mener, mais on y va, ça sent pas. Le coffre général. Eh ben putain, ça nous fait pas mal de trucs. Hein. C'est pas mal. Allez, on va se fêter, toi. Tu peux pas être pire que l'autre qu'on a affronté juste avant. Allez, c'est parti, on va aller se friter un autre boss, je pense. Qui sera moins galère que le mob de niveau 19. Moi, j'aurais dû le sentir venir, hein, parce que dès que j'ai vu le niveau, je me suis dit, c'est encore ça. Hein. Ceci.被小看了呀、就算遭到了猎界的侵蚀，这里始终是贝洛伯格的一部分，是我们曾经的家园。铁卫对这里了若指掌。逃亡游戏结束了，放下武器，跟我回去吧。你真是死缠烂打啊！搞不懂我们到底犯了什么罪，让你一直追到这儿都不罢手。我接收的命令是捉拿你们，至于详细的罪责和判罚，裁判团会向你们解释。你昨天见过我们，还记得吗？那时我们是作为可可利亚女士的贵客被招待的。一夜之间这翻天覆地的变化，我们也很难接受。守护者大人调查了你们的背景，他在昨晚召见我说你们欺骗了他，你们的身份和目的皆是伪造的，意在破坏筑城者对贝洛伯格的掌控。啊，这老巫婆怎么人前一套人后一套？公开侮辱大守护者只会让你们罪加一等，放下武器投降吧。多言无益了，三月，至少有一件事很清楚，现在
我们绝不能被逮捕。既然没路可逃了，就让他们见识下列车组的厉害。我说一统Bronya大人，我来处理这些邪徒恶党。ça fait elle随我出战，我也得小心起来。会是谁呢？跟上我！我不敢说。哎呀！咕噜噜！Restauration, cible unique. 坏不了的，休想靠近！真不懂礼貌。准备好释放自己了吗？反抗，摇摆，沉沦。C'est du coup très la gueule. Les faiblesses de Bruna, c'est. 看什么看？呀！Vas-y.睡吧。尖叫呢？退下。感恩戴德吧。一切都是星辰的选择，星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧。知道我是谁吗？这么大的钻石送给你。是 Bronya， Denis Bronya。看来是赶上了，一点心意而已，不必在意。秀了我也不会给你什么好处的。转圈圈，别怕呀。会是谁呢？看什么看？哎呀！睡吧，不请自来呢。plus d'armure, faut vraiment faire. C'est bon, là, on a presque fini. Je vais faire un jeu. Je ne comprends pas. Qui est-ce? Je ne veux pas se rapprocher. Je ne veux pas se rapprocher.Il y a un autre professionnel qui va tous les éliminer. Ouais, c'est pas. C'est bravo. Ce enfant est un peu trop fort. Ouais, d'accord. Va pas de l'inconnu de l'inconnu. N'y est-ce pas? Tiens, c'est pas de l'inconnu. Souche au Jiu-Chin, Rou-Chin-Je. Je vais vous assurer que vous avez été condamné.C'est lui qui a voulu gagner. Je ne suis pas obligé de faire un peu de temps. Je ne suis pas obligé de faire un peu de temps. Je ne suis pas obligé de faire un peu de temps. Je suis juste dire que Zhang Bo ne va pas nous aider à nos amis. Tiens, je suis Zhang Bo, je ne suis pas obligé.Ok, petit bâtard. C'est bien, tu nous as aidés, on reconnaît ça au moins. Ils vont être douloureux, ils vont se sacrifier, ils vont mourir sous mes ordres. Ils vont les conduire à la mort. Ils vont les conduire à la mort. Et les gens du bas? Ils vont perdre leur protection. Ils vont me considérer comme... ...un bâtard.你见过了我们孱弱的世界。
清醒点吧，你的小玩意儿没那么大破坏力。那为啥他还没醒呢？因为他睡着了，刚刚还嘟囔着说梦话呢。真可怜，一定是非常可怕的噩梦。跟我说实话，桑博，你打算怎么处理那个上层区的小丫头？怎么处理？和其他几个一起处理呗。 找机会给送回去。哎，等等，你为什么？你觉得能瞒得住我吗，桑博科斯基？我没想带上他，烟雾太重了，我也迷迷糊糊的，不知怎么就带下来了。真不知道你想搞什么鬼，桑博。上层的事和你有什么关系？干嘛非要趟这趟浑水？哼，你还嫌自己不够显眼？ 非得被地火盯上才满意。哎，别这么说嘛，我桑博一向关照朋友，这几个人帮了我的忙，怎么也得把人情还上啊。再说了，地火又怎么能怪？没准我带来的这几位人物能捞地火一把呢，这可不好说嘛。这就是你放任他们几个在地底乱跑的理由。哎呀，意外，纯属意外，我这就去把他们都找回来。 那个小姑娘，你最好赶紧找到人，把她看住了。地下被封锁十几年，孩子都快忘记地上人长什么样了。突然冒出个穿银棕铁卫衣服的姑娘，你想想，地火要是知道了，会怎么对她，怎么对你？我懂，我懂，我这就去找人。哎，大姐头，咱这位客人，就劳烦您受累照顾了。 小柯睡成，你可算睡醒了。我也睡了，没。做了一张的眼，来，récupérer。啊，continuez à découvrir ce qui s'est passé。嗯，récupérer ça，c'est rien。 On a plein de trucs à récupérer. On a normalement des nouvelles informations sur les ennemis qu'on affronte aussi, je dirais. Carnet de voyage. Ouais, il y a encore ça. Tutoriel. Le tutoriel, on va vite le passer. Je vais arrêter la vidéo là parce que on arrive à la limite d'une heure et au moins ça, ça laisse avec du suspense. Qui est donc cette mystérieuse femme là qui a aidé l'autre con à nous à s'occuper de nous. Voilà, c'est ça. Et le bestiaire, où est-ce qu'il est déjà? Banque de données. Personnage. Ok. Bon, c'est pas mal qu'ils affichent ce à quoi ils sont attitrés. Oh, mais Garien, tu veux des gralins? Tu veux des gros câlins? C'est gentil, Gaïa. Mais oui. Tu choisis toujours le bon moment. Bon, on va finir la vidéo et je vais m'occuper de toi. Oui, ma belle.
Par contre, c'est ce qui est chiant, c'est qu'ils nous affichent pas les nouveaux ce qu'on a débloqué de nouveau. Alors, membre des gardes de la crânière d'argent de Belobog, charge et, ok. Alors, tireur de garde, ok. Je vous fais passer si vous voulez voir, vous mettez en pause. Vagabond. Automate chien. Et ça fait longtemps qu'ils ont pas vu un chien. Hein. Automate loup, c'est pareil. Hein. On y a un tireur de la garde, ok. Capitaine et les commandants des gardes. Eh ben... D'accord. Et ça, c'était quoi? Annonce, optimisation du jeu. Ok. Carnet de voyage. Plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se revoit prochainement pour d'autres aventures et en attendant, bye bye les gens.